À quelques kilomètres de la côte ouest, se découvre le jardin de la Biserie. Ce clos ouvragé, l'un des plus beaux du Cotentin, est l'œuvre de Jérôme Gouthier, un ingénieur agronome. Dans ce vallon descendant en pente douce vers le nord, il fait cohabiter des plantes du monde entier. C'est un petit délire de jardinier, le rêve exaucé d'un jardinier pendant 30 ans. Quoi. C'est le légendaire Gulf Stream qui arrose encore nos côtes, je ne sais pas pour combien de temps, mais qui nous apporte de la douceur. Et jamais d'excès dans les températures, pas d'amplitude thermique marquée. C'est le principe du Cotentin, le petit paradis des jardins. Comme tous les matins en ce début d'été, Jérôme parcourt chaque parcelle. Comme tous les jardiniers, j'adore désherber. Une opération toute simple, mais on adore mettre la main dans la terre quand elle est chaude. Là. En ce moment, c'est vraiment un bonheur. J'ai pris le virus du jardinage très très tôt, quand j'étais gamin, chez mes parents, pas loin d'ici. Je venais ici tous les 15 jours à peu près pour me ressourcer. Et j'ai eu la chance de m'installer très très tôt, l'année de mes 30 ans, et de trouver cet endroit merveilleux en 87. C'était mon rêve de créer un jardin quand j'avais 30 ans. Chez mes parents, le jardin me plaisait beaucoup, mais j'étais pas chez moi, j'étais pas libre de faire tout ce que je voulais. Là, ici, j'ai pu m'éclater.